matter where you go, you will always find. Bonjour, j'ai le cœur brisé parce que nul ne peut l'ignorer. Pour savoir qui était Papa Wemba pour moi, j'ai fait l'école Papa Wemba. J'étais dans son groupe Viva la Musica et c'est monsieur qui a beaucoup contribué dans ma vie artistique. Il m'a beaucoup encouragé avec ses conseils artistiques, bien sûr. Et j'ai évolué dans son groupe pendant au moins une dizaine d'années. Et j'ai le cœur brisé. Je ne sais pas quoi dire enfin. Et je dirais aussi que toute l'Afrique est en deuil. Il est parti très tôt. Il est jeune pour moi. Il est parti à 67 ans. Mais comme on dit, la mort ne choisit pas le moment. Il ne choisit pas l'âge. On donne tout aux mains de Dieu. Pour que là où il est actuellement, Papa Wemba, qu'il soit entre ses mains. Les mains du tout. Dieu Tout-Puissant. Et depuis ce matin, je n'ai pas arrêté de pleurnicher. Et je devais voyager aujourd'hui, hier. Comme par hasard, il y a eu un truc et ça a été reporté. Et c'est pour la semaine prochaine pour aller en tournée en Afrique. J'ai annulé. J'ai annulé ma tournée. Et demain, je vais prendre mon avion pour Paris. Pour aller un peu voir du côté de Paris, parce qu'on a évolué beaucoup avec Papa Wemba à Paris, quand j'habitais à Paris en France. Et il y a beaucoup de mes collègues qui se trouvent là-bas aussi, donc quelques membres de sa famille, du côté de la famille de sa femme aussi, de sa chère, sa veuve, comme on peut aujourd'hui le dire, dans la zone. Et tout son staff, comme on dit, Bana Firenze et tous les gens qui nous soutenaient toujours quand on faisait partie de son groupe. Je dirais que j'ai le cœur brisé. Je suis abattu. Et ma journée, regardez le ciel, comment il est gris. Papa Wemba, tu nous as laissé orphelins de toi. Tu es parti si vite. Je manque les mots. Je dirais que son âme repose en paix et j'adresse mes condoléances à toute la famille musicale de mon pays et pourquoi pas de mon continent qui est l'Afrique et surtout à sa famille biologique, ses enfants et ses musiciens qui sont restés au pays du groupe Viva la Musica. Qu'il avait accompagné lors de son voyage à Abidjan, là où le malheur s'est produit. Je dirais que j'ai le cœur brisé. Je n'ai pas envie de trop parler. Je m'excuse. Sorry.